d'organiser cette promenade autour de Sagan. Nous allons la découvrir là où elle a vécu. Alors une première chose, c'est que François Sagan a habité au quatrième étage de cet immeuble. Bien sûr, j'ai souvent été heureuse, mais je parle de ces moments rares où j'ai brusquement compris pourquoi il y avait une adéquation totale entre cette terre et moi. Sagan, elle le définit comme l'agitation raisonnée. J'étais né atteint d'un virus qu'on appelle l'agitation, l'entrain, l'énervement, le plaisir de vivre, etc. Je me suis rendu compte que si je m'étais cru, je me serais dérobé à moi-même en dormant 80 000 heures de mon existence. Le chiffre se passe de commentaires. La marque de fabrique de la famille, donc c'était cet humour. Et dans le genre, nous allons terminer la promenade devant le domicile d'Alphonse Allais. Je voulais citer la phrase. Où as-tu déjeuné? Oh, mais arrête de crier! Tu t'imagines tout le monde pas que j'ai fait le trottoir, ça paraît ridicule! Ça. Écrire un roman, c'est mentir. Et elle disait, il faut être libre de tout pour être libre de soi. Elle était indifférente à la postérité. Toujours est-il qu'il y a un moment où, glissant lentement hors des rives de la vraie vie, j'entrerai dans la mer pour moi sans rivage de la littérature. Mm-hmm.